La mosaïque de la Méduse tapissait le sol d'une salle à manger, d'une vaste demeure. C'est une maison de l'époque romaine, du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui n'a vécu qu'un siècle en fait. Il y a d'autres mosaïques dans ce quartier qui montraient qu'il s'agissait de demeures opulentes qui se développaient là à partir donc, du IIe siècle après Jésus-Christ. Et donc ces demeures sont relativement bien conservées avec leurs tapis de mosaïques et sont un bon témoignage de cette Alexandrie romaine, avec son opulence et sa richesse. Pour sauver la mosaïque, il fallait la déposer. Mais on ne peut pas prélever un grand pavement d'un seul bloc. Pour la mosaïque à la Méduse, nous avons dû découper 9 panneaux. On a commencé par poser de la gaze puis de la toile sur la surface de la mosaïque, ce qui a permis de découper sans risque les 9 panneaux. Sur chacun d'entre eux, on pose un cadre de bois qu'on garnit de mousse et on couvre l'ensemble d'un panneau de contreplaqué que l'on visse. Puis on détache la mosaïque du sol en passant une lame par-dessous et on peut ensuite transporter le panneau ainsi découpé après l'avoir retourné. بعد ما بيتم نزع أرضية الفسيفساء من موقع الحفائر بيتم نقلها لمعمل الترميم وتخزينها على أرفف من الحديد. بنتعامل مع كل قطعة بتنظيف الخلفية من المونة القديمة وإعدادها لمونة جديدة لتثبيتها على ألواح الألمونيوم. C'est une grande mosaïque qui occupe une pièce de 5,50 m sur 5,15 m. C'est une assez bonne pièce. Et de fait, c'est le découpage de la mosaïque, sa composition, avec un tapis en U et un tapis en T, qui permet de reconnaître sa fonction. Il s'agit d'une salle à manger. Alors on comprend que sur le tapis en U, au décor simple noir et blanc, on posait les lits des dîneurs qui avaient sous les yeux les tapis colorés. Ces tapis colorés, bien sûr, on les voyait aussi quand on arrivait dans la pièce, puisqu'on arrivait par la grande porte et on voyait tout de suite le tapis central avec la Méduse qui regardait vers la porte et protéger les dîneurs des mauvaises influences qui auraient pu s'introduire dans la pièce. بس كده.
Ils ont été, ils sont partis avant, il n'y a pas. Je vais me chercher ma voiture. Du point de vue technique, la mosaïque est aussi très intéressante et tout à fait emblématique de ces mosaïques des ateliers alexandrins du IIe siècle après Jésus-Christ. La plus grande partie du pavement, bien sûr, a été faite sur place, puisqu'on place les tesselles dans le mortier frais de la pièce. Le panneau rond central, donc lui, a été fait en atelier. C'est ce que l'on appelle un embléma. C'est-à-dire que, de manière à pouvoir utiliser l'opus vermiculatum, qui met en œuvre des tout petits éléments, en fait, le mosaïste travaille sur une plaque de terre cuite, bien sûr aux dimensions ad hoc, et il va réaliser tranquillement son panneau dans son atelier. Puis, lorsque l'extérieur, c'est-à-dire l'ensemble de la pièce, a son pavement réalisé, avec un trou central aux bonnes dimensions, on va apporter le panneau sur terre cuite et on va le fixer au centre du pavement, bien sûr sur du mortier. Cette opération laisse bien sûr un espace visible entre le tour de ce panneau et l'extérieur du pavement. Afin de cacher cette solution de continuité, un ouvrier de l'atelier va réaliser une tresse qui est tout autour de la méduse et qui va complètement dissimuler, une fois que ce sera terminé, l'espace qui avait permis de glisser le panneau au centre. Cette technique de l'embléma est connue à Alexandrie déjà au moins à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 4 siècles environ avant la réalisation de cette mosaïque. C'était une façon de faire en atelier des mosaïques très fines. C'était fait sur commande, mais ça pouvait aussi, et les mosaïstes alexandrins ne s'en sont pas privés, ça permettait d'exporter ces panneaux. Parce qu'une fois qu'ils étaient réalisés sur un support que l'on pouvait transporter, l'exportation était facile. بيفصل خف الماء اللي في البتاع في المرحلة الأخرانية من مراحل ترميم الفسيفساء بنكمل الأجزاء المفقودة بالحجر الخفاف بنلزقه على الألمونيوم بالهاني كامب بعد كده بنجمع الأرضية على الرسمة بتاعتها
والزيادات من الألمونيوم بتتقص ونربط كل ألواح الفسيفساء مع بعضها لترجع لأصلها في موقع الحفائر. دي هيركبوا في 8 هيركب في 8 من فوق خلاص؟ من هنا ايوه هيركب في 8 خد من عم خد انزل خد من عم خليك تحت خد من عم على مهلك ماشي بتخاف بتخاف شو يعيش مهيئ الجماهير بص حد بس يلا 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 ي